Mais je vais par exemple là vous dire, quand on dit que Alpha Condé c'est quelqu'un qui crée les conflits, les situations et tout, moi je vais tout le temps laisser l'actualité tandis que vous voulez savoir certaines choses qui peuvent vous pousser à réfléchir. Vous comprenez? Mais vous qui êtes là, quand on fait des vidéos et des publications, est-ce qu'en les partageant, c'est-à-dire vous le partagez avec votre cœur et votre âme, est-ce que vous y croyez? Parce que c'est tous ces facteurs-là que les gens doivent comprendre. Et s'il y a des gens, je vous l'ai régulièrement dit, s'il y a des gens qui sont toujours dans la même optique, les gens vont se soulever. La communauté internationale va nous soutenir. La communauté internationale va vous soutenir comment? Vous qui avez voté, qui faites vivre ce pays hors de la Guinée, vous vous en foutez plus ou moins. Il y a un groupe qui veut une transition, il y a un autre groupe. Peu de personnes, c'est moi qui en parle régulièrement pour réclamer cette victoire parce que je pense que c'est la logique que je veux suivre. Il y a d'autres personnes qui veulent que Alpha qu'il quitte, qu'il parte, qui va venir à sa place, ils s'en fichent, on ne sait pas. Quelquefois, il y a des combats que je ne comprends pas. Donc, cela embrouille même le peuple, cela embrouille même certaines personnes. Mais vu que le peuple a déjà voté pour quelqu'un de bien précis et que nous, la diaspora, c'est nous qui faisons vivre ce pays. Là où il n'y a rien du tout, je pense que nous avons notre mot à dire, même à l'étranger. Si depuis cette victoire, on avait fait des manifestations ici pour réclamer cette victoire hors de la Guinée, je pense que la communauté internationale allait se dire que, ah, là-bas, ils ne peuvent pas sortir parce qu'on les arrête, parce qu'on les tue, mais ici, ils sortent parce qu'ils ont la possibilité de sortir, ils ne sont pas contents. Ils savent en France. Combien le Guinéen de France apporte à la Guinée par mois? Ils le savent. Ils savent combien les Guinéens des États-Unis. Essayez de rappeler, s'il vous plaît. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le Guinéen n'est pas habitué à ce que moi je suis en train de faire là. Parce qu'il y a déjà un moule. Tout le monde est formaté dans ça. Ça ne marche pas, mais ils sont dans ce sens. Il y a des gens, que ce soit les politiques ou peu importe, tous ceux qui se battent, ils veulent que les Guinéens se lèvent en Guinée. Je ne comprends pas ce concept. Sincèrement, je ne le comprends pas. C'est-à-dire, tout le monde va se soulever. On va aller chasser quelqu'un qui est armé. Mais les gens disent que... Je ne suis pas contre. Hein. Moi, je suis juste logique. Les gens disent que tous ceux qui sortent là, on ne va pas les tuer tous. Donc, même si on ne les Ça tue... lui va faire pire que ça. C'est un gars qui n'a même Voilà. pas Donc, à faire des deux et tout. Hein. on va aller comme au Burkina. D'accord, je suis d'accord. On va aller comme en Libye. Je suis d'accord avec tout ça. Mais seulement, on n'est pas en Libye. On n'est pas au Burkina. Voilà. Il faut Ben, prendre tous les facteurs en compte. C'est-à-dire, tu ne peux pas te comparer au Burkina. Ils vont dire que ça n'a rien à voir. Là où il ne pleut même pas. C'est-à-dire, les gens ne sont pas cohérents dans ce qu'ils font. Vous voyez, et je vous l'ai dit. Moi, je fais cela, je dis que tant que Alpha est là, c'est peut-être sur 5 ans, peut-être sur 6 ans. Mais ceux qui sont en train de se dire qu'ils vont parler 2, 3, 4 fois, et les gens vont se lever là-bas, tandis que toi-même devant ta caméra, tu n'es pas capable de faire cela. Mais tu peux manifester en France quand même. Mais les groupes seront divisés. Certains vont dire que non, 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 ok, de toutes les façons, Alpha ne va jamais laisser le pouvoir à Dalai. Non, là n'est pas la question. Il va laisser le pouvoir, il ne va pas laisser. Non, tu es en train de réclamer un truc. Ça va marcher, ça ne va pas marcher. Ça, c'est autre chose. Mais il faut le faire. La preuve, c'est pourquoi ce qu'ils ont fait à M. Ba de Kindia, c'est une preuve. C'est un signe. Moi, je ne me fie à personne. Chacun a sa tête. Chacun a ses analyses. Surtout, surtout, je n'ai rien contre personne. Mais les gens qui se battent depuis des années ici, pour la même cause et que ça n'a pas marché comme ils veulent, je ne vais pas les suivre à 100%. Je vais prendre chez eux ce qu'il y a à prendre. Je ne lui dis pas qu'ils ne font rien. Si, ils font énormément beaucoup de choses. Mais peut-être que il y a des trucs qu'ils ne font Peut-être pas. qu'ils sont fatigués, je sais pas. Ouais, on peut Peut-être. être fatigué aussi parce qu'on attend quelque chose. Si tu attends que c'est la population qui va se lever et que la population ne se lève pas, beaucoup de personnes disent cela. Même moi, les gens me disent, mais je dis, vous et moi, on ne se comprend pas. On ne peut pas se comprendre. Ah, tu vois, les Guinéens, ils ne comprennent rien. Je dis, mais la Guinée est dans ça depuis 63 ans. Toi, tu veux parler 5 ans et que ça change.
Mais je pense que vaut mieux que tu te taises parce que tu n'as rien compris. Quelque chose qui est là depuis 60 ans. Toi, tu penses que ça va changer en 5 ans? Ah, non. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. C'est pratiquement impossible. Mais si tu te bats sur du long terme déjà, maintenant, ça marche dans un an, c'est bon. Ça marche dans 5 ans, c'est bon. Ça marche dans 3 ans, c'est bon. Mais les gens ne veulent pas se projeter sur ce genre de terrain qui est glissant et dangereux, comme ce que M. Ba a fait en disant que Alpha n'a pas gagné. Voilà, c'est ça. Donc, ce que M. Mangian Sidibé a dit, il est dans ses droits. J'ai regardé sa vidéo cet après-midi, jusqu'à la fin. Il a son cerveau. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, comment avez-vous trouvé d'un côté, est-ce que, voilà. Par exemple, le côté... Une question que j'avais posée, vous m'avez répondu. D'accord, le côté qu'il a dit, par exemple, et ça, M. Kanté a répondu, quand il a comparé la situation de Syrie à celle où ça, c'est comme le jour et la nuit. Quelqu'un qui ne s'est même pas présenté. Ça n'est pas comparable. Ça n'a rien à voir. Cela, quand tu as posé la question, voilà. Il dit, est-ce que l'autre n'est pas plus lourd que les autres? Ce n'est pas le même poids. C'est comme tu dis, singe et sympanger, des moubouillants pour couler bien. Ce n'est pas une question d'affinité. Ce sont les faits qui sont là. Ce monsieur-là s'est présenté. Il faut se battre avec lui. Ça, c'est le minimum qu'un être humain puisse faire par rapport à l'injustice. Voilà. Donc, c'est ce que je... Là, il y a eu beaucoup de manifestations qui ont été faites, mais depuis au bout du moment, là, franchement, il n'y a aucune qui a... Depuis que l'élection est passée, il n'y a pas eu de manifestations. Normalement, voilà, les personnes qui vivent en Europe, ils devraient reprendre réellement. Voilà. Mais il y a des gens qui pourront manifester, comme je le dis. C'est plusieurs armes. Ceux qui veulent une transition peuvent manifester. C'est leur droit. Ça aussi, l'arme est dirigée sur Alpha. Ceux qui veulent qu'ils partent et que n'importe qui vienne à sa place, eux aussi, c'est leur droit. Ça aussi, c'est une autre arme. Toutes ces manifestations-là, un peu partout dans le monde, un peu partout en France, montrent qu'il est désavoué. Tout ça, c'est bien. Sinon, le plus logique, et c'est ce qu'ils sont en train de prouver, que ce qui leur fait mal, c'est cette victoire-là. Mais moi, je ne suis pas contre les autres combats. Hein. Personne ne va me tirer dans le combat. Là. D'accord, c'est juste une question. Je vais vous demander, vous m'avez répondu, merci. Voilà, c'est ça. Je laisse la place à quelqu'un d'autre. Merci. Je vous en prie. Tous, et puis, je vais donner l'histoire qu'on a eue. On va essayer avec lui aussi, s'il peut être quelqu'un de bien. Voilà, pour que les Guinéens puissent respirer. On a trop souffert. Voilà, les Guinéens sont tellement souffrir. Voilà. Je pense que chacun mérite ce qu'il a, chaque peuple mérite ce qu'il a à sa tête. Peut-être que pour l'instant, les Guinéens ne méritent pas ces Loudalen. Donc, il faut. Ça se passe donc, très c'est bien. C'est la division. Beaucoup de gens, ils jugent le peuple. Voilà pourquoi. Il faut le laisser gouverner d'abord. Voilà, à partir du moment qu'on voit qu'il n'a rien fait, si c'est des vengeances et qu'on se qu'on l'enlève, qu'on met quelqu'un d'autre, c'est tout. Mais il ne faut pas qu'on dise seulement, voilà, cette pays n'a pas de droit. C'est comme si j'ai une constitution qui a été votée, cette pays... Non, c'est comme pas, si... Ça, on aura un sujet sur ça, Inch'Allah. Je vais vous laisser c'est comme vous le dites. D'accord, merci beaucoup. Quand vous regardez les vidéos, c'est ce que je vous dis. Amine. La santé, qu'il bénisse nos enfants, et puis merci à vous. Amine, merci à vous aussi, merci, Inch'Allah, bientôt. Ouais. Désolé. Merci. Non, il n'y a pas de mal. Je vais revenir à ça, cette histoire de... Celui qui appelle là, il faut appeler... Je vais vous appeler, pas en WhatsApp. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien, chez vous. Ah, alhamdulillah, ça va. Les activités. Ah, Dieu merci. Je suis en direct, hein, monsieur, je ne sais pas si vous savez. Allô? Celui qui appelle là, quand il appelle, Toumani, c'est pas pour me dire que quelqu'un est en train d'insulter, de le bloquer. Hein. Moi, je ne bloque pas les gens qui insultent.
Je ne suis pas dictatrice comme Alpha Condé. Quand on dit qu'il n'a pas gagné, il se jette sur toi. Alpha, en tout cas, tu n'as pas gagné. Tout le monde le sait. Allô? Allô, madame, salam alaykoum. Alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Comment tu vas? Moi, je ne fais pas pour intervention. Moi, je dirais que, pardon, prends ton temps, tu essaies de... Il y a des gens qui mettent des petits messages, s'il vous plaît, il faut essayer de bloquer. Surtout, il y a un message, je ne sais pas si c'est un touré, Asmi Touré ou bien quoi, bah. Essaye de le bloquer parce qu'il insulte mal, quoi, s'il te plaît. Toumane, je savais que c'était pour ça. Ah ouais, merci beaucoup, j'ai compris. Ah, s'il te plaît, merci. Merci. Je vous avais dit non. Lui, quand il appelle, c'est pour dire de bloquer les gens. Mais je lui ai dit que moi, je ne bloque pas les gens. Il faut les laisser insulter. Il est en train d'insulter. Est-ce que je parle ou je ne parle pas? Je parle, je suis même presque à la fin là. Tout ce qu'il écrit là-bas, il dit à Guénèque qu'il y a Alpha Condé. Donc, Alpha Condé n'a pas gagné. Monsieur Touré, tu n'es pas content, mais Alpha n'a pas gagné. Dit. Et les vautours qui sont autour là, qui veulent récupérer la victoire, s'ils sont hommes, pourquoi ils ne se sont pas présentés? Il fallait qu'ils se présentent. C'est ça. Il ne faut pas attendre la mort de quelqu'un ou, je ne sais pas, vous rassembler pour bloquer une seule personne. Ça fait honte. Un homme comme vous, il faut vous mettre en groupe pour le bloquer. Mais c'est quel genre de pantalon que vous portez? Les pantalons troués ou bien c'est déchiré? N'importe quoi. Tout le monde, il faut les laisser insulter. Ça, ce n'est pas un problème. Toi aussi, attends, mais rien ne combine, tu t'en as dit, mais il n'y a pas bloqué. Il n'y a pas combiné bloqué. Il faut avoir droit à l'anaki. Alpha ne peut rien apporter à la Guinée. C'est fini. Voilà, c'est lui qui a gagné. Je vais partager la vidéo là. Je vais partager la photo là tout à l'heure. Vous allez partager. Hein? Il faut partager, 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 partager. Rien ne leur fait mal. C'est ça qui leur fait mal. Il n'y a pas autre chose. Vous allez parler ici jusqu'après demain. Normalement. La campagne, les moments forts de cette campagne, il faut partager les vidéos de cette campagne. Il faut revenir à la campagne, il faut revenir sur cette campagne-là. Nous, on est là. Si eux, ils ont gagné, ils n'ont qu'à gagner, ils n'ont qu'à travailler. Nous, nous sommes sous des élections là encore. Partagez les vidéos des campagnes, de tout ce qui s'est passé, les bons moments. Il faut... Ça va les énerver pendant où il y avait du monde, pendant où il y avait la foule, les sorties de CDD de sa femme. C'est un couple qui est marié depuis plus de 30 ans. Ils ont leurs enfants et leurs petits-enfants. C'est là que vous allez vous rendre compte que c'est un peuple qui est mal guidé. Ce peuple de Guinée est très, très mal guidé. Vous avez un couple. Ils sont mariés plus de 30 ans. Ils ont leurs petits-enfants. Ils ont leurs enfants. Ils ont étudié dans ce pays. Ils ont grandi là. Leurs enfants ont grandi là. Vous allez ramasser des renégats de la société, des ratés de la société. Vous voulez les poser, vous venez les poser, vous fabriquez un mariage rapidement. Et les gens trouvent ça normal. Les gens soutiennent cela. Et vous êtes surpris que ce genre de personne n'apporte rien à votre pays. Et bon Dieu de bon sang, vous faites la comédie, vous êtes des Moussa Koffi ou quoi? Vous voulez que cela, qu'est-ce qu'ils vont vous rapporter? Quelqu'un qui se met devant vous qui ne connaît pas la Guinée. Tu ne connais pas la Guinée, dégage. Mais justement, tu ne connais pas la Guinée. Il faut partir là où tu connais. C'est la France que tu connais. Et ici, tu ne peux pas être maire. Tu ne peux pas être même du plus petit village. Donc, il faut qu'on connaisse notre valeur. Il faut qu'on se valorise. Il faut qu'on devienne chic. Ceux qui veulent insulter là, il faut insulter jusqu'à demain, après demain, après la vidéo encore, vous insultez. Vous écrivez sur moi. Ceux qui savent lire, ils vont lire l'injure. Mais malheureusement, la Guinée est remplie d'analphabètes. Donc, même si vous écrivez les injures sur moi, c'est ceux qui savent lire qui vont lire. Donc, il n'y aura même pas beaucoup de monde qui vont savoir que vous avez insulté parce qu'ils ne savent pas lire. C'est ça le gros souci. Donc, tout le monde ici, toi aussi, il faut comprendre les gens là. Et moi, quand tu appelles, je pense que tu veux intervenir, mais tu me parles toujours des injures là. Ah, t'en fous. Allô? Allô, madame Sissoko. Oui, bonsoir. Comment ça va? Bonsoir. Comment allez-vous? Alhamdulillah, je vais très bien. Dieu merci. Ah ouais. Mimi wa tawol de français moi. Ah ouais, il faut parler ce que tu sais. Ah, même comme il n'est pas aussi affaire Alpha Condé. Ah ouais, il faut parler.
Alpha Condé. Jama on Sanzai Tao, Jama Guinée on Sanzai no be wai no. Si Allah Sanzai nai. Allah no dali. Inna Allah la yukhayyiru ma bi qawmin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. O Sanzai ta ko ko ne yimbe ben ha be sanza no be wai no. Si be sanzi du Allah Sanzai nai be. Pani be sanzali o sanzota ko dum wadi Allah yetti Alpha Condé o joddi ne hore men e hore toni ba Alpha Condé ko criminel jama on sanzai criminel ya dal mo ya beaucoup de crimes en Guinée oui beaucoup kayar do wo yimbe no ware oui e hore toni ji jamo higge e hore leydi Alpha Condé ko aden criminel do gila talal sana konté o formi yimbe buy e talal sana konté o wadi be e militaire be nati e l'armée de do andi bawo la mi ke joni nan hande kan be ndaka limo garde approché wonna le dan takko lan sana konté fo bawo la mi ke 2010 o wari be fo kun da dan wal lanza na konté ko fermo o kanko ko fermo o formi kanko formi militaire guinéen rebe la laka natural e dan leydi la guinéen di ko no natu do yal tay tu sais quoi c'est bon parce que je comprends pas oui ko no naro non joni kanko ba o joni ke kalamu naro o fuddi warde non o fuddi warde non hande kadi min tero D'accord. On l'a fait dans le tableau de France, mais le tableau de Madame Sissoko. Ah ouais, ouais, Minkadi, Minana Tapa, donc. John, John, on y a la photo. Ah ouais, y a la photo. Merci beaucoup. Ah. Ah, oh, oh, merci. Ah ouais. Bon, j'ai pas compris ce qu'il a dit. Allô? 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 Vous m'entendez? Allô? Allô, oui. Ouais, bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Comment ça va? Vous m'entendez ou pas? Ouais, je vous entends très bien, madame. Bon, écoutez-moi. Moi, d'abord, c'est pour vous remercier et remercier tous les jeunes de... du RPG, je vais leur encourager parce que moi d'abord vous m'avez encouragé, tout ce que vous m'avez fait, j'ai trouvé ce de la vérité. Oui, je vous entends. Allez-y, allez-y, monsieur, allez-y, on est là. Allô? 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 Oui, allô, oui. On vous entend, on vous entend. Monsieur, allez-y. On entend. D'accord, je suis de RPG. Moi, je vais... j'ai démissionné à RPG parce que je trouve que... Notre président, là, il ne veut pas changer Kanka, il ne veut pas changer Sigri, ni Koursa. Ce qu'il n'a pas fait depuis qu'il est au pouvoir jusqu'à présent, ce n'est pas à la dernière minute maintenant qu'il va faire ça. Ce que je demande aux jeunes de RPG, il faut être conscient pour les mensonges, là, ça ne marche plus. Vaut mieux de suivre la vérité. Et montrer à nos jeunes frères, jeunes sœurs qui vont venir nous suivre et aussi vont connaître la vérité. C'est-à-dire qu'on va changer la Guinée ensemble, mais pas avec dans les mensonges. Donc, je demande les jeunes de RPG de me joindre. On va démissionner à RPG complètement. On va suivre la vérité. Je n'ai pas dit de suivre tel partout, tel partout. Chacun va choisir. Là où il veut partir, mais suivre la vérité. Donc moi je vous remercie, continuez votre travail et vous nous donnez le courage encore de changer. Moi-même j'ai changé,
Je démissionne à RPG. Merci, madame. Merci, merci, monsieur. Merci beaucoup. Qu'Allah vous paye. Merci, hein. Il faut choisir. Ouais, merci, madame. Merci beaucoup, oui. Il faut choisir un bon côté, hein. N'importe quel. D'accord, merci beaucoup. Tout le monde doit choisir le bon côté. Et je comprends très bien, moi, de mon côté. Et je vais encourager les jeunes. Comme je l'ai dit, le président ne peut plus changer Kanka, ni Kourousa, ni Sigiri. C'est fini. Si on va continuer à suivre la vérité, c'est mieux. Donc, de s'arrêter et mentir par-ci, par-là, ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas. Oui, seulement pour se faire cette gueule de bois ou bien mot de tête. Parce que trop de mensonges, quand tu te couches dans ton lit, tu ne peux pas dormir. Oui, 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 c'est vrai. Vous voyez? Oui. Donc, bon, j'encourage les jeunes de RPC, ils m'entendent. D'accord. Suivez la vérité. Laissez tomber l'RPG, la tête des mensonges. Moi, j'ai compris. Laissez tomber, faites comme moi. Ah, quand quelqu'un parle comme ça, là, quand quelqu'un parle comme ça, là, on dit que c'est faux. C'est pas quelqu'un du RPG. Vous voyez, non? Donc, c'est pas facile. Laissez tomber les autres. Bon, d'accord. C'est qu'il y a son choix, non? Qu'on a dit, oui. Moi, c'est pas quelqu'un qui va me dire que si je suis de RPG ou bien je suis de. Moi, tu sais qu'on est de RPG, le ou bien notre ni Robert. Non, jamais. Moi, tu sais qu'on est de. Voilà. Ma caméra, qu'on est où le cas là? Alors, la même, madame. Ah, la même. Awa, quand même, on aura. Indiqué. Awa, merci beaucoup, vraiment. Merci. Qu'Allah merci, madame. Oui. Merci, au revoir. Bientôt l'heure de la prière. ML Fadiga, je vais rappeler après, Inch'Allah. On va appeler notre traducteur. Il dit qu'il veut traduire ce que le monsieur a dit. Allô? Allô, bonsoir, madame Tsoko. Bonsoir, bonsoir. En tant que traducteur, comment ça va? Ah! En tant que traducteur, va, parce que... Comme vous aimez souvent le dire, vous aimez la langue poulain, c'est une langue qui est très belle. Oui, c'est joli, la c'est La façon dont les phrases sont rimées. Oui, et c'est très doux. Notre grand souhait est que vous compreniez cette langue. Inch'Allah. Et que vous puissiez la parler parfaitement bien. Je sais que vous allez arriver un jour, Inch'Allah. Inch'Allah, oui. Parce que si vous décidez quelque chose, vous allez aller jusqu'au bout. Eh, c'est ça. Donc, nous ne cesserons de prier pour vous, vous remercier pour le travail que vous faites. Vous avez tout dit. Vous faites ce que Dieu aime. Absolument, Dieu va vous aimer. Il va vous protéger, il va vous aider. Personne d'autre ne peut quelque chose. Donc, ceux qui insultent là ou disent n'importe quoi, laissez-les. D'ailleurs, ils vous augmentent en bénéfice parce que le jour du jugement dernier, tout ce qui vous ont insulté là, ça va se transformer en bien et vous allez récolter. C'est une très bonne chose. Moi, j'encourage. Insultez. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. D'accord. Vous voyez combien de fois Dieu est juste, Dieu est bon. Oui. Quelqu'un vient, il t'insulte, il te fait du mal. Dieu dit, ne réponds pas. Le jour du jugement dernier, je veux transformer ça en bien et je te rajoute. Oui, c'est lui seul qui peut faire quelle ça. Quelle est l'université qui peut t'enseigner ça dans cette vie, à part que l'islam? Wallahi, wallahi. Voilà. Voilà. Donc, pour revenir un peu à ce que le monsieur a dit, il a fait une très belle intervention. Il a même côté un verset du Coran. Il a voulu dire, en fait, le peuple de Guinée doit changer. Donc, tant que le peuple ne change pas, d'abord, sa condition elle-même, Et le pouvoir ne pourra pas changer. Oui. En fait, autrement, qu'est-ce qu'il veut dire? Vous savez, Dieu même a dit ça clairement, c'est le verset qu'il avait écouté. Et si les gens n'adoptent pas un bon comportement, ne changent pas leur état pour devenir des citoyens bons, conscients, honnêtes, sincères, Dieu va mettre quelqu'un à leur tête qui sera mauvais et qui va les guider toujours dans le mauvais chemin. Et c'est exactement ce qui arrive à la Guinée. Oui. D'accord. Et donc, c'est ce que le monsieur a voulu dire pour un premier temps. Et en deuxième temps, il a dit, Alpha Condé est un criminel. Il a rappelé, depuis au temps de l'ancien Condé, la rébellion qu'Alpha Condé avait entretenue. Ensuite, l'armée qu'il avait infiltrée, parce que tout est parti de là, il avait infiltré l'armée. Et puis, ces hommes qui étaient là, qui travaillaient pour sa cause. D'accord. Oui. Donc, c'est ce que le monsieur a voulu rappeler. Donc, les crimes ne datent pas d'aujourd'hui. Alpha Condé, sa criminalité, c'est depuis fort longtemps. Et aujourd'hui, il ne fait que concrétiser cela. Voilà. Donc, en quelque sorte, c'est ce que le monsieur a voulu dire en poulard. Et il a terminé par des prières et des doigts, encourager les gens à changer eux-mêmes, à être des citoyens honnêtes, sincères, d'accord, et surtout, conscients.
Oui. Voilà, et se battre pour leur propre cause, mm-hmm. tout en se tournant vers Dieu. C'est seulement ça qui fera que nous serons victorieux et on va traverser le chemin que nous traversons maintenant. Mm-hmm. D'accord? Mm-hmm. Et Alpha en personne, il n'est absolument rien. Mm-hmm. C'est nous autres qui ne sommes pas bien organisés oui. et on n'a pas compris le vrai chemin qu'il faudra suivre, la vraie stratégie qu'il faudra adapter mm-hmm. pour y arriver. Mais moi, je voudrais terminer par ceci. Je suis vraiment satisfait et très content de votre live de ce soir. Parce que vous avez rappelé un fait que je partage à plus de 1000%. C'est-à-dire tout ce qui aujourd'hui fait mal à tout ce clan. Vous avez cité les trois clans. Le clan des Damaro, le clan des Djané et le clan des Kassori. C'est effectivement ça. Tout ce qui les brûle aujourd'hui, c'est d'entendre que c'est Loudalin Diallo a gagné les élections et c'est lui légitimement qui a été choisi, élu par le peuple de Guinée. Vous savez, cette jalousie et cette haine-là, ça les ronge. Oui. Parce que vous avez dit, hein, tout sauf un peu. C'est tout ça. Oui. Ils ne veulent pas du tout que Dalin arrive au pouvoir. Ils ne veulent pas. Sinon, vous l'avez dit, s'ils étaient des hommes, ils voulaient eux-mêmes avoir le pouvoir, ils auraient dû se battre contre Alpha Condé. Oui, oui. Parce qu'ils parlent de démocratie. Si vous voyez Kassori venir submerger son parti dans le RPG, ça d'abord, c'est une faiblesse. Oui. Il devait avoir son parti, d'accord. S'il est homme, il veut avoir le pouvoir. Au lieu d'aller par des petites portes, par des cheminations, par du n'importe quoi, présente-toi en tant qu'homme. Oui. Essaye de convaincre le peuple. Oui. Et essaye toi aussi de te battre pour arriver au trône. Ça, tout le monde l'aurait accepté. Oui. Les Damaro, c'est la même chose. Ils étaient des hommes. Ils allaient se lever, surtout Damaro, parce qu'eux, ils se réclament du RPG. Oui. Pourquoi ne pas se battre là-bas pour que Alpha Condé renonce? Oui. D'accord. Et que toi-même, tu sois candidat de ton parti. Oui. Mais ça prouve une fois de plus, le RPG se résume à Alpha Condé. Oui. Celui qui appelle là, pardon. Vous comprenez, ils n'ont personne d'autre. Parce que s'ils avaient quelqu'un, ils auraient dû alors le présenter. Oui. Mais eux tous, ils se sont servis de bouc émissaire d'Alpha Condé, parce que pour eux, Alpha Condé est éternel. Il faut. Allô? Vous l'avez redit. Et là, c'est Loudalin. Je vous dis quelque chose. Nous, parce que nous sommes de ce parti, à un moment donné, tout le monde était sceptique. Il ne faudrait pas qu'on aille à ces élections. On avait nos raisons. Parce que nous savions effectivement que tout était biaisé. Oui. Vous comprenez? D'abord, à partir du fichier électoral, tout était biaisé. Et nous savons que tout... Et voilà. Et soutenir Alpha Condé pour qu'il soit là. Mais voilà ce qu'on a fait. On a engagé un débat. Quand on a engagé le débat au sein de l'UFDG et dans toutes les structures du parti, d'accord? Les gens... Allô? On va le prouver, le peuple de Guinée a choisi le président Sélou Dalé Diallo. Et nous le prouverons concrètement. Ce n'est pas seulement sortir et faire des bruits comme ils le font la propagande. Non, et c'est ce que l'UFDG a fait. Et nous, jusqu'à preuve de contraire, notre président de la République reste Ela Sélou Dalé Diallo. Alpha Condé était un ancien président, il est enterré. Maintenant, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. C'est que Ablaye Ba nous a lancé le plus grand slogan du siècle pour le peuple de Guinée. C'est-à-dire, c'est quoi? Il a dit en Poulara, il dit, vous, quand vous vous réveillez le matin, avant de vous brosser les dents, dites, le président de la République de Guinée, c'est Sélou Dalé Diallo. Donc, mettez ça dans vos cœurs, mettez ça dans vos esprits. Parce que c'est ce qui est la réalité. Oui. Alpha Condé était un ancien président de la République. Oui. Pour lui, c'est terminé. Donc, c'est là, c'est le Koné-Koné. C'est ce qu'il a dit en Poulard. Il n'a pas caché. Oui. Et je vous parviendrai un jour les interviews que nous, on a eues avec Ablaye Ba. Vous allez savoir c'est qui cet homme. Parce que beaucoup ne savent pas c'est qui. Voilà un homme sincère, un homme très honnête. Oui. Un homme combatif. C'est lui qui a changé l'image de Kindia alors qu'il était dans l'opposition en tant que président de la délégation spéciale. Quand il est allé là-bas, toute la corruption et tout ce qu'il fait, il a tout changé. Et pourtant, lui, au prime abord, c'était un militant de Abbé Sylla. Parce qu'il avait commencé aux États-Unis, il a milité dans le parti d'Abbé Sylla. Mais c'est lorsqu'il y a eu la manipulation, les Alpha Condé ont récupéré les Abbé Sylla
et leurs collègues là-bas, lui, il a compris que les gens-là, je ne peux pas aller avec ces gens. Il a démissionné. Mm-hmm. Et quand il est allé en Guinée, il a rencontré tous les leaders. Mm-hmm. Et c'est seulement avec le président, c'est lui, il a vu la sincérité et tout, mm-hmm. et il a décidé de se battre aux côtés de l'UFDG. Mm-hmm. Et depuis qu'il a commencé, mm-hmm. il a gravi les échelons. Parce qu'à Kindia, il s'est battu, il a mobilisé le peuple, il s'est battu contre les gens-là. Mm-hmm. Quand il était à la mairie de Kindia, demandez quiconque. L'exemplarité qu'il a ramené dans cette mairie, mm-hmm. l'honnêteté, la franchise, le travail. Mm-hmm. Un jeune parce que il est je crois de 1974. Quand il était à la mairie, mm-hmm. il sortait des fois travailler jusqu'à minuit, 1h du matin pour l'assainissement de Kindia. Oui, oui, il c'est a vrai. Complètement changé. Kindia, j'ai été, je ne sais pas, c'était très propre, ça m'a tapé à l'œil. J'ai dit c'est propre, ils disent qu'ils ont un maire là qui est propre et tout, oui. C'est lui, c'est un cadre, un intellectuel parfait. Mm-hmm. Quand il est arrivé, il a fait un excellent truc. Et depuis qu'il est dans le parti, mm-hmm. il s'est montré farouchement opposé au système qui est en place. Il s'est battu dans ce sens. Mm-hmm. Il était l'un des tout premiers d'ailleurs qui avait encouragé mm-hmm. à ce qu'on aille à ces élections. Oui. Il est sorti publiquement, il dit allons à ces élections. C'est une façon de continuer le combat du FNDC. On va battre ce vieux homme. Le boutier du pouvoir. Ouais. Et c'est ce qu'il a fait, et il s'est battu dans ce sens, et il est arrivé à Kindia. Regardez mm-hmm. l'électorat, l'autre jour vous avez fait sortir ici ouais, les ouais. résultats. Ouais. Et les résultats de Kindia en font foi. Mm-hmm. Donc l'acharnement là contre lui, l'arrêter, l'enfermer et tout ça, c'est ça. Et parce qu'il a dit. C'est un boulot. On n'entend plus, hein. Vous m'entendez là? Oui, c'est bon là maintenant. Là, c'est bon. Alors, excusez-moi, ouais, j'avais reçu un appel. Ah, okay. Je disais que par rapport, je vais terminer par ça parce qu'il y a d'autres aussi. Oui. Par rapport à la photo sur le président Sélou que vous voulez publier, merci pour le travail, c'est un travail qui est bien. J'ai vu déjà. Sur l'image. Donc, on va inonder les réseaux sociaux, inonder. On va la multiplier, il faut pas que je dorme, mais partout. Il faut pas que je dorme aujourd'hui, n'importe quoi. Il me gagnera, il faut que je gagnerai. Quel mouillet, en tout cas, nous, on va relayer la photo, on va la diffuser. Voilà, voilà. Diffuser. Donc, on s'en fout du reste. Voilà, après, nous, pour juste à preuve de contraire. Et puis, on réclame la victoire partout dans le monde. Oui, Inch'Allah. Tananaki. Inch'Allah. Ah ouais, merci beaucoup. Celui qui a appelé là, allô, excusez-moi. Bonjour, madame Marie. Bonjour, excusez, vous avez appelé plusieurs fois, il y avait quelqu'un déjà, quoi. Pardon. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Comment ça va? Je m'appelle Bah Mohamed Saliou. Comment ça va, monsieur Bah? Oui, ça va très bien. Et je vous suis depuis longtemps. Mm-hmm. Et à chaque fois, mm-hmm. j'ai raté quelque chose, il faut que j'y retourne mm-hmm. pour écouter. Mm-hmm. Parce que tout ce que vous dites, franchement, que c'est Allah qui va vous payer. Mm-hmm. Vous essayez de mettre toutes les communautés guinéennes mm-hmm. Dans la même maison, ça veut dire, pour montrer tous les Guinéens, vous êtes la même famille. Mm-hmm. Ce que j'ai à dire, parce que je n'ai pas l'occasion chaque fois, et j'ai appelé plusieurs fois, mais oui, c'est aujourd'hui vrai, j'ai l'occasion. Vrai, on nous parle de la caisse est vide. Qui a vidé la caisse? Ah. Vous avez trouvé quelque chose sur la caisse. Vous n'avez pas réussi à rajouter. Et vous avez vidé la caisse. Et vous voulez qu'on vous laisse là. Maintenant, vous essayez de créer de nouvelles plaques de auto. Mmh. Vous voulez rajouter le prix du carburant. Mmh. La personne qui va payer 11 000 pour le carburant, mmh. et vous ne voulez pas qu'il rajoute un petit peu là où il gagne. Les polices sont là. Ils récupèrent l'argent gratuit tous les jours. Ils font les barrages. Les gendarmes, ils font les barrages. Mmh. J'ai voyagé entre Conakry, Touguay. Mmh. Je vous dis, madame, il y avait un militaire guinéen. Mm-hmm. Ou un gendarme, en tout cas c'était un militaire. Il a mis l'armée togolais. Mais il est guinéen. Il a mis l'armée togolais. Mm-hmm. Avec tous les papiers qu'on a, mm-hmm.
On était obligé de lui donner trace, mais pour qu'il nous laisse passer. Et je voulais calmer les gens qui parlent de Air Guinée chaque fois. C'est lui qui a vendu l'Air Guinée. Ça fait depuis 1993 jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, on nous parle d'Air Guinée. Oui. Et moi, je me souviens quand Air Guinée prenait l'altitude. On entend, on croyait que c'est un MiG, des avions russes, là, les anciens, qui prend le ciel. Vous imaginez, ces avions-là sont vieillis. Mais comme lui, il est capable maintenant, avec le Damaro, son groupe-là, le Sanko, avec tous les autres, Haribo Baïdi. Mais pourquoi ils n'ont pas acheté, depuis qu'ils sont là, même un avion? Même un avion, ils n'ont pas réussi à acheter. 10 ans. 10 ans du pouvoir. C'est combien, même la Guinée peut encaisser. Si on me demande, je vais dire, la Guinée peut encaisser chaque mois 1 million, ou bien chaque jour 1 million d'euros. La Guinée peut encaisser ça avec tout le port, l'aéroport. En 5 ans, en 3 mois, peut-être on aura un avion. Ou bien chaque année un avion. Pendant 10 ans, on aura au moins 10 avions. Wallahi. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout l'argent, il dit la caisse est vide. Lui qui vient, il remplit ses poches, il s'en va. Tous les 4x4, quand même il passe dans les embouteillages, il passe avec des 4x4 avec des gardes du corps. Si tu traînes devant, et on va te taper très fort. Il faut les laisser partir. Oui. Les embouteillages, ce n'est pas pour eux. L'argent, c'est pour eux. La souffrance, c'est pour la population. Regarde les hôpitaux. Même si on dépense 100 000 euros chaque année pour chaque hôpital, en tout cas, on aura des hôpitaux qui peuvent servir les Guinéens. Mais ces gens-là, ils sont là pour remplir les poches et puis les restes pouvaient mourir tranquilles. Oui. Merci, Madame Marie, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre famille. Le combat que vous faites là, ce n'est pas un combat pour une seule personne, c'est pour toute la communauté guinéenne de la Guinée. Oui. Et moi, je voulais dire qu'il faut une femme aussi Marie Sissoko pour la Guinée, pour la Sierra Leone, ou pour le Libéria, pour le Cameroun. Et Alpha Condé, je vais terminer avec ça. Il a essayé de chaque fois, quand avant, mais le temps de l'ancien a compté, de critiquer Paul Biya. Oui. Et finalement, il a fait la même chose que Paul Biya a fait, de contrôler l'armée. Quand il parle de pouvoir au Cameroun, on va s'enfermer. Oui. C'est la même méthode qu'il a utilisée en Guinée. Il a contrôlé l'armée. Dans mon quartier, là où j'habite, les hommes en tenue, avec des pick-up militaires, ils sont rentrés dans mon quartier. Une dame qui vendait à Tchéké. En tout cas, elle a beaucoup de clients. Elle a réussi à mettre beaucoup de l'argent à côté. Elle voulait moderniser sa maison. Ils vendent des crèmes glacées, un peu de tout. Ils ont venu là-bas pour voler. Finalement, ils ont tiré une balle sur la dame. Mais heureusement pour elle, ça a tombé sur la main. Vous voyez? Ça s'est passé à Anko 5, à côté du rail, Anko 5. Donc, merci madame, et je ne vais pas prendre le temps beaucoup. Merci. Je suis content d'avoir la ligne aujourd'hui. Et que Dieu vous bénisse, vos enfants, et que Dieu vous donne la victoire avec cette combat que vous êtes en train de mener. Amin. Salam alaikum. Salam alaikum. Merci beaucoup. Merci. Fadiga, je te rappelle, hein, si tu es là, tu seras le dernier. Si tu es là, sinon, awatananake. Peut-être que tu es parti. Gaffe, je te vois. Gaffe, partage-moi. Je vois pas tes cœurs. Allô? Allô? Salam alaikum, Oustaz. Alaikum, Oustaz. Merci, Natala. Nous sommes Natala, mon ami. Talante. Ah, talante, Oustaz. Ah, démarre. Oui. Talante, là. Talante. Hein? Dans la Ok.
Mais avant, on va pas finir à parler tous les jours. Donc continuer à se battre. Le combat pour la vérité, c'est pas un combat d'un jour ou deux jours. Ouais, c'est un combat de grand chemin. Oui. Donc, d'abord, on te dit merci. Dieu pour tout ce que tu, voilà, tu fais et ce que tu vas continuer à faire aussi. Le problème de la Guinée, c'est que les gens doivent savoir. Ceux qui écrivent, ceux qui parlent, c'est pour le bien de la Guinée. Et c'est pour le bien de tous les Guinéens. Combattre l'injustice, le mensonge, c'est tout le monde qui va en bénéficier. C'est pas moi, M. El Badia, c'est pas toi, Marie, c'est tout le monde. Parce que dans la vérité, dans la justice, le pays reste instable. C'est l'instabilité qui va régner dans le pays. Oui. Donc le pays reste instable. Donc, nous parlons de la vérité, nous cherchons la vérité, et partout où il y a la vérité, c'est là-bas que moi j'irai. C'est de ce côté-là, moi je voilà, c'est de ce parti-là que j'irai. Donc, ceux qui parlent aujourd'hui, aujourd'hui, bon, nous sommes en train de voir l'augmentation du prix des carburants, c'est tout le monde qui, c'est pas, on ne dit pas, toi tu es de RPG, toi tu es de l'UFDG, de l'UFR, mais quand tu vas à la pompe, quand tu vas à la station, c'est 11 000, mais tu es obligé de payer. Oui. Le problème, il y a des personnes en Guinée, leur esprit est piétiné par le mensonge. Leur esprit est piétiné par les menteurs. Voilà, c'est pour moi, ces gens-là, moi je les appelle, c'est des subjectifs. C'est des subjectifs. Parce que, voilà, ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont rien. On va dire que, ouais, Alpha Condé, il est Fama Condé, il est comme ça. Voilà, j'ai vu dans le live là, quelqu'un a écrit que ce tourelle est fermé. Mais je l'ai répondu. Je dis, ouais, autant de compter, ce tourelle était fermé devant Alpha Condé aussi. Donc là, Alpha Condé. Il a même attrapé ses pieds, ce voyou là. Il a attrapé les pieds de Condé, lui demander pardon. Voilà. Non, il dit que, on dit, ouais, ce tourelle est bouclé, ceci, cela, ceci. Fadiga, attends, excuse-moi, oui. Il faut que j'éclaircisse ce point-là. Je pense que vous me regardez, mais vous ne me comprenez pas. Moi, je n'encouragerai personne de rentrer dans ce Cerro Touréa-là. Ce Cerro Touréa-là fait partie des problèmes de la Guinée. Cette zone-là fait partie des problèmes de la Guinée. Mais j'ai l'impression que vous êtes dans ce pays, mais vous ne comprenez rien. Avant que Alpha ne quitte, avant qu'on ne le chasse comme un chien enragé, parce que cogner un chien normal et un chien enragé, ce n'est pas la même chose. Il n'est barré sur ce ma kirmane, il n'est barré simple kirmane. Mon alpha kirmane, il est barré sur ce ma halati. On me fait faire un peu de. Je vais dire ceci, je vais encore dire ceci pour que vous écoutez. Oui. Aucun président qui rate dans ses retours ne va apporter le bonheur à la Guinée. Aucun. C'est pourquoi moi je ne prononce même pas le mot là. Quand vous dites que ses retours est fermé, que celle ne va jamais rentrer dans ses retours, je suis d'accord avec vous. Parce que même s'il doit construire un petit palais de 3 chambres, il le fera, Inch'Allah. Ça aussi, c'est un autre combat. Les ministères qui sont là, il faut, RPG, viens, je vais te donner des idées. Alpha, viens, comme tu n'as rien à la tête, voyou, viens, je vais te donner un projet. Essaie de faire déménager 4 ou 5 avant qu'on aille te pêcher là-bas comme un chien enragé pour te chasser. Il faut prendre 4 ou 5 ministères, les dispatcher ailleurs et les ministères là, faire des logements sociaux
mettre les autochtones de Kaloum dedans pour qu'ils puissent respirer. Parce que c'est invivable, cette zone est invivable. Aucun ministère ne travaille depuis que la Guinée est Guinée. Le Guinée ne se pose même pas la question, qu'est-ce qu'il y a dans cette zone? Donc, Sérou-Touré est fermé. Sérou-Touré même n'a qu'à s'écrouler avec Alpha. Sérou-Touré n'a qu'à aller dans la mer. Moi, toute personne que j'aime, ça, c'est-à-dire, c'est l'une des vérités. Quand vous dites que Dalé ne rentrera jamais à Sérou-Touré, ça, c'est vrai. Il ne rentrera jamais à Sérou-Touré, Inch'Allah. Je me battrai pour ça aussi. Même s'il doit rester, je ne sais pas où, mais il ne rentrera pas là-bas. Vous ne vous posez pas la question pourquoi Alpha, au début, il ne dormait pas à Sérou-Touré. Vous ne vous posez pas. Et t'as dit, le monde me rit, Karli Kanakito, Ayeli. Non, RPGs, quand il a parlé, je dis, ils vont dire que tu n'es pas RPGs. Il leur a parlé dans un malin qui est très dur là. Un vrai malin qui est très sec pour qu'ils comprennent. Je l'ai écouté, oui. Pour qu'ils comprennent. Je l'ai écouté. Parce que. Je l'ai écouté. Alors, on va le faire, il voulait me rire tout le monde, madame. Ah, il n'y a pas de mal. C'est-à-dire, je ne sais pas comment les gens font pour mentir. Tu t'assois devant une caméra. Non. Tes frères et sœurs, même s'ils ne sont pas guinéens, tu leur mens. Et tu te tapes la poitrine. Et quand tu vois quelqu'un qui dit la vérité, tu veux combattre cette personne. Vous, vous ne pouvez pas, moi, me combattre. C'est-à-dire, c'est tant d'un barrière sauf la Guinée. Ou un temps normal, halati. Ou un normal, ou un craquer. Ou un temps normal. Katafene Ouraba Nayu. La Guinée n'a Iblis Nayu. Iblis ra territoire Nara. Ou Sentane n'a salité. Donc, combat Ouraba la Guinée terrain. Tous les combats qui se font là-bas, arrêtez de vous pratiquer, ça ne marchera pas. Si vous voulez que je vous dise cela. Bertibaye, on m'avait dit même. Donc, Sérou-Touré peut s'écrouler. Sérou-Touré peut voyager. Sérou-Touré peut être fermé si même les chiens peuvent déménager dedans. Tout ça là, c'est bon. Ça, c'est vrai. Et puis les gens qui communiquent pour l'UFDG, les gens qui parlent de l'UFDG, arrêtez de parler de ce Sérou-Touré pourri là. Qui a habité dans Sérou-Touré qui a porté du bonheur? Même quand tu as construit Sérou-Touré, dès que cette zone a été construite, regardez dans quel sens la Guinée a été. Wofanga Fera Korsi, Wofanga Fera Ben. Quand vous voyez cette zone de Kaloum là, vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Awasi, c'est là-bas que vous attendez d'aller. Attendez là-bas. Alpha, si tu es un homme encore, si tu portes un pantalon qui est bien serré, Mugurumera, rentre ta guima, et quand on t'a rentré là, il n'y a pas de limite, ou quand on t'a rentré, mais rien Alpha fera. Ou Kaloum désengorge d'une routine, à qui est la foule? On a fini, le ministère défini le logement social parce que Bina n'a pas de limite. Vous avez du caca dans la tête. Mélangé à de la boue. Même ça, vous ne pouvez pas faire ça pour les habitants de cette zone-là. C'est-à-dire, vous êtes nuls. Et quand je vois les autochtones de Kaloum dribbler les jeunes de Kaloum là, c'est-à-dire, Neymato, comment on peut être méchant avec sa propre communauté? Il va être mis. Il n'y a pas de l'ennemi. C'est triste. Quand on a dit que c'est un peu de l'ennemi, on a dit ouais, je suis un peu de l'ennemi. On a dit que c'est un peu de l'ennemi. On a dit que c'est un peu de l'ennemi. Parce qu'on a dit que c'est un peu de l'ennemi. C'est un peu de l'ennemi. C'est un c'est honteux que l'argent de ceux que les Guinéens mangent vienne de l'extérieur. C'est honteux. Le Guinéen ne peut pas se nourrir de son salaire. C'est honteux. C'est minable. C'est lamentable. L'air de l'Otan à Western Union, le rôle de l'Otan à Ria, nous, on est grand. On nous sait bien dans la Guinée. Quand le Wotis sonnait, quand le Richard de Foyer Samba, quel veut foutre d'état. Et, à mon femme, on a parti, on a parti. On a rebondi, oui. A foulé, minima. Oro, et minima ya. Ba wota mou wanyere, ba kame wota mna. Ah, foule soubiena nyo wobe. O mode ge me biasi halati. Il faut pas sortir, les gens de l'Axe, restez chez vous. Même si c'est vous qui devez changer la Guinée, ne le faites pas. Restez chez vous, ils se moquent de vous. Ils vous poussent dehors. C'est eux-mêmes qui font des trucs bizarres, leur sorcerie là pour vous pousser.
C'est la sorcellerie. Ne sortez pas. Restez chez vous. Ça changera quand ça changera. Ne partez nulle part. Restez chez vous, s'il vous plaît. Celui qui veut que ça change, quand c'est chaud sur lui, n'a qu'à sortir. Si tu es autochtone, tu laisses un étranger venir mourir sur ton terrain. Tu laisses quelqu'un qui a quitté jusque le Fouta pour venir mourir en basse-côte. Toi, tu ne sors pas. Hey. Un peu va venir mourir en basse-côte. Un peu meurt en basse-côte. Vous, vous êtes assis. Que vous êtes des autochtones. Vous allez, votre côté autochtone, vous allez le montrer quand? Mais c'est à ce moment-là qu'il faut montrer. Il faut défendre la zone. Oui. Mais si un étranger vient mourir sur ton territoire, il va prendre la chefferie. Oui? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Donc, quand c'est moi, vous avez fait en sorte que le peuple s'est imposé dans tous les domaines, banalement et facilement. Ils se sont imposés partout. Partout. La haine ne les a pas empêchés de s'imposer. Les tueurs ne les a pas empêchés. Tricher les élections, plus d'une fois, ça ne les a pas empêchés. Vous pensez que moi, je vais m'asseoir? Que ce que je dois faire pour la Guinée, le peuple prenne ça aussi? Adé? Moi aussi, je veux ma part. Moi aussi, je veux mon nom dans l'histoire. Oui? Le Aboulé Ba, ce qu'il a fait là, c'est historique. Ce que Aboulé Ba a fait là, ça, c'est un peuple qui peut faire ça. Ce que Seloudal Ndiallo fait aujourd'hui là, ça, c'est un peuple qui peut faire ça. Et s'asseoir sur Facebook aussi, défendre la vérité, il faut que le peuple fasse ça aussi. Adé? Moi aussi, je vais faire ça. On va dire, exception, il y a une Sissoko là. Hein? Je serai peut-être la seule. Odoro. Odeitala. Emili Maya. Anoufé et Namini. Omo Alpha Maman Moufa de Rédi. Wadoro Mourounne. Oufa Bahamasa. Eko le Mekina Mekitandoa. Ou Mena Bahamasa Anara. Alima. Oufa na terminal de Nekabarno. Parika Ongre. Moumriora Kote Kanima. Mumu yora yagi kate yoro kanima. Muma ninke yagi kote kanima. Muba squat yagi kote kanima. Mumu yora yagi kote kanima. Mufa wama wuna kede nongo mu. Mu wule yoye batu fe. Naka mbele ma wule yoye foro bila foro. Konan tan togo dike ki fere ki. Padiga, ikbe sa yifari wonga 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 sika. Ok. Ante ta. Mishe ke sa di se. Gratio man verite. Nous allons continuer ce combat, Inch'Allah. Nous allons continuer, parce que c'est ce qui fait mal. Ils nous ont prouvé que c'est ce qui fait mal. Il m'a gagné à l'Alpha. Nous allons continuer. Il m'a gagné à l'Alpha. 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 Ah, est-ce que la manière vous? Tout ce que la Guinée est contre, tout ce que la Guinée est contre, on doit savoir. De ce qui dire que. Oui. Le combat là, le combat pour la vérité, c'est pas pour un seul individu. Non, non, les gens, c'est quand c'est bon. C'est quand c'est bon que eux, ils sont chez eux. Mais quand il faut se lever pour mourir, ça, c'est pour le peuple. Maintenant, quand l'intérêt vient, vous pensez que vous allez prendre ça comme ça? Gagne le pouvoir va revenir en basse-côte. C'est vous qui êtes morts. Ceux qui sont morts, vous pensez que Dieu ne sait pas qu'ils sont en train de mourir? Ah, même s'ils meurent pour leur communauté. Vous aussi, il faut mourir pour votre communauté. Mais vous, vous attendez que ce débile-là meure. Ce Burkinabé-là meure. Non, mais attends. C'est-à-dire que je suis déçue et surprise, quoi. Carrément, le pouvoir va revenir en basse-côte. Mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Pendant les élections, vous étiez où? Quand les peuples meurent, vous êtes où? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? En tant que basse-côtier, qu'est-ce que vous faites? Vous ne vous êtes jamais levé pour dire que, l'affaire là, en parlant ethniquement, c'est le Malinké qui est en train de tuer le peuple, en parlant ethniquement. Ethniquement, hein? Ethniquement. Vous êtes en basse-côte. Nous sommes les arbitres. On en a marre de ces tueries-là. Les manifestants
en manifestant, il faut faire comme ci, comme ci, comme ça. Vous, qui représentez l'État, il ne faut pas tirer. À un moment donné, vous savez qu'Alpha n'a pas gagné. C'est sur le territoire de la Passe-Côte que tout se passe. C'est là qu'on peut avoir le respect. C'est là qu'on a la chefferie. Parce que c'est l'autre, c'est l'autochtone. C'est en disant la vérité, en jugeant honnêtement, sans parti pris, qu'il peut obtenir le respect des deux côtés. Mais si vous voyez que la Passe-Côte n'a pas de respect, c'est ce côté-là. Et ce sont vos cadres-là qui vont marcher dans les familles et dans les villages. Mais les autres se moquent de vous. C'est vous qui donnez le bâton pour vous faire battre. Oui. Et vos cadres-là, ils ne peuvent rien pour eux-mêmes, pour vous-même, ni pour la Guinée. Parce que s'ils étaient des hommes, ce n'est pas un Burkinabé qui va venir les raser la tête. Il est né en Guinée. Mais quand on trie, son père n'est pas né en Guinée. Le père de Dalé est né en Guinée. C'est comme ça qu'on fait les enquêtes. Par pourcentage, par génération. Mais vous laissez un vagabond, un délinquant, un voyou venir faire n'importe quoi. Vous pensez qu'on va respecter les Basse-Côtiers avec ça? On ne va pas vous respecter, mes frères et sœurs. Je ne vais pas vous mentir. Non. La vérité, ça fait mal, mais ça ne tue pas. Ça peut faire mal à celui qui n'aime pas la vérité, mais tout seul. Le RPG, ce qui a appelé, c'est ce qu'il dit. Moi, j'ai changé parce que le mensonge, vraiment, le monsieur là ne peut rien apporter. C'est-à-dire, il doit avoir, vous allez dire que non, il a honte, il doit avoir honte. Non. Et ça, c'est son droit. Il est dans le regret. Il a vu la vérité. Il fait marche arrière, c'est tout. Maintenant, là où chacun veut partir, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Chacun va là-bas. Moi, je trouve logique et normal que c'est Dalen qui a gagné. Qu'on va se battre dans ce sens. Demain, on peut le faire à un Basse-Côtier. Le groupe de Basse-Côtier, là, s'ils ne veulent pas de ce Basse-Côtier, ils vont le lui faire. Le groupe de Malinké, là, s'ils ne veulent pas d'un certain Malinké bien défini, ils vont le lui faire. Vous voyez Dr Ousmane Kaba aujourd'hui? Ce que ses frères Malinké lui font, parce que Dr Ousmane Kaba ne les arrange pas. Donc, si ce genre de personnes gagnent les élections, ce qu'ils ont fait en Dalé, ils vont le lui faire. Oui. Sidy Touré aussi, ce groupe de bandits, de Basse-Côtiers qui sont auprès de Alpha aujourd'hui, ils ne veulent pas de Sidy. Donc, si c'est Sidy qui avait gagné, ils allaient faire le même coup. C'est pourquoi on doit soutenir cette vérité pour cette fois, pour ouvrir la porte à une réconciliation. Mais on ne va pas laisser ça, hein. Non. Mon mouilou, mana. Khaïef déjà, l'on entend mal, mana. Il doit être quand même au Ahiwa, yo. D'où me dit, n'a pas mal de guerre à Ronon. A mon nom, va le dire. Ya, ma rame, y'a un enfant. Ka foule en an nade rabima. Ka nous ka foule en an finesse rabima. A la raya ma sa ouma. Même ne foule en an présenté. Ka ou ka ou en tenye en courant. Ou présenté manuel. A wo ete ma pire que même ne. Ou pire me gara bourou yufo à l'alpha. Me gara bengri. Bire mini kalwe. Drogué. N'a pas sa guinée ma tongori. A to fa fe. A fa fe élection. Wona togo. Wona tiyari. Mire me gara foutiri sunna nou falara rakuya. Wone luna. He. E mouna wabinyare na kwego. Ah, non, dit l'enfant. Quand il m'a dit, il fallait ouvrir l'enfant. Avant de m'aider au mago, quand on a eu mon goût, 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 Alpha, il faut
a basket na tan bulu ka mo me gasto gitambi he bore fanda na ma nyonde ka na to fanyire na mo to fande ka ala na kanke na nka re akanye ka ba me o ala si ma na santi a fi ma no yala ni e ko lu nta mo ta gamma gina mo ikhri man tambe he o ma fe mo gore fa lo mo be e na ga gre ka na 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 ki Merci beaucoup, merci à tout le monde. Fadiga, merci, merci à toi, la Koulibé. A bientôt, Inch'Allah. Terme de tout, tu n'as ni rien de mal à merci. Merci à vous tous, à ceux qui ont commenté, ceux qui ont partagé et tout. Je vais partager la vidéo, je vais partager la photo, partagez-la. Quand cet autre raté là, ce tatarné mental est en train de parler, il paraît que vous étiez 17 000 ou 18 000 à écouter ces balivernes, c'est-à-dire des trucs qui n'avaient aucun sens, qui n'ont rien apporté à qui que ce soit. Quand je mets la photo, partagez-la. Morena Manfara, partagez cette photo. Il n'a qu'à arrêter toutes les personnes qui partagent. Ceux qui sont en Guinée, je vous prie d'éviter de le faire avec vos vrais comptes. Si vous avez deux comptes, des faux comptes, partagez dans tous les groupes. Partagez dans les groupes des RPGistes. Partagez dans les groupes des Africains. Je vous ai dit une fois, il faut adhérer au groupe des Africains. Tous les pays africains, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, il faut que tout le monde sache que la Guinée parle toujours de cette victoire. Partagez dans ces groupes-là. C'est des clics. Vous qui êtes à l'étranger, faites-le, faisons-le. C'est-à-dire, inscrivez-vous dans des groupes, 50, 20, 200 groupes africains, guinéens, français, même les groupes français. C'est un combat que nous devons en parler, que tout le monde sache, que tout le monde sache que les Guinéens ne sont pas contents de ce vaurien que la France nous a apporté. Les Guinéens ne sont pas contents de ce produit périmé que la France nous a envoyé. Il est à gauche, sa soi-disant femme de bail est à droite. Ça, c'est une vie. Ça, c'est une vie d'un homme d'État. Les Guinéens, vous ne voyez pas ça? Quelle est la haine? Quelle est la haine qui fait que vous ne pouvez pas voir cette vérité? Quelle est la haine qui fait que vous prenez un risque de sacrifier encore 5 ans, ou 6 ans, ou 3 ans, parce qu'il y a des gens qui veulent récupérer une victoire, ou un pouvoir. Mais c'est quoi ce délire-là? Mais vous êtes tombé sur la tête ou vous faites des rêves sataniques? Rapprochez-vous d'Allah pour que vos rêves soient propres, parce que ça, c'est un rêve satanique. Mirimona Rabama. Namura Bama, quand on m'a dit, on a tort et on a quick. On a la yagi, on a quick. Yagi dunya. Moumouyo kayagi kanima. Ma kanima mouyobe. Moumouyo kayagi kote kanim fabe. Ah, si ce qu'on a là. Ah, des sosoué nara. Ah, non, à barre basse. Ah, non, maninka nara. Ma kanima mouyobego. Alpha mougenere. Atom genere naki. Parce qu'à ma place, Kali a loupé une semaine de son mandat. Fakilla et n'a qu'il n'a hamanda mono. Inch'Allah, alati. Je vais mettre la photo, vous la partagez. Alraoum birim mali, a kamis midi, nous sommes na Guinée birim natanga. Arastembe pisoum na Guinée ma. Arakiti soum na Guinée sondo nous n'y a 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 n'y Arrêtez à combattre ce qu'il y a. N'ayez pas dit que l'islam m'a refait à la roue de l'Arabie. N'ayez pas rabat fait ni imam refait ni miroura. Il a dit que l'on m'a dit que il faut s'aligner à la guerre de l'angouma à la roue de l'Arabie. Réveillez-vous dans la bama. Il voulait en faire mes rêves. Il ne croit pas le rassou. Il a dit que c'était un boulet. Il fallait mon numéro et ton yenge. À la roue de l'Arabie. 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 À la roue Afema yo non dira me non dimara atantanga ne kone ugule kolo e kole na na fa fe ki gule na mo en fe ne ke be ke ne ma da fe ne ala ko ba suture wolo ni nun dalil yo utilise de fe afi ni lon ni modele yura
asintane kima muslim kima model yo ala subhanahu wa ta'ala na tanlo ni na tan dali wida wota ndaka mpa utiliser fi atana wo fanda ne ga na uma tofe ne ga bira ko fora kenema dunguira atana ni fanda sesse mona hungama sesse na wo kui wo furi kui fe wo nyane gma wo sondo ma fatana bi ko mbala ha wura yebi ha wo mona fi ga kui nta marishi soko na ndo beki khamuna fi ga kui khamwa ma ga dina l'islam ga triomfe khamwa ma ga loni non di ga triomfe na febata na ngumba nkober nan na suma nfando be nugule falo be ala kham ba suture la sesse la ga wuna binyanu nyigi yor na man sutura ga sesse kui loni nun dalili yo utiliser fe na utiliser fe na ngame re madako na utiliser fe na la genera gile ngame nta ma intérêt personnel na nkata fe ala kham na yerbi paska tananda nan na ngumba ne wota ma men munno ngumba tamma ala kham makene ngube kasali selu de njallu na ngene net kasali la guinée kaire ndessa na yira tanangene ri mere ya tanan sugandire e bloqué afoule tara e bloqué e khayuama e bloqué sembe tomara kiti sa mengena ya hakima na hakiti sa kasali gene ka ba do ne alma tudale nam place na ki atanan na première dame ra ala ha première dame ya reklama kala lu ne une semaine alfa ha mandara yo ala rebr na yere alfa la sestira la mi ko model yura la lon nun dalil yura na ha maintenu fe dunia ko ngoni di pouvoir ala akanara menge ala an ka kitin to do mo fe nun nyene ki mo fe ma legi na rafira dunia rafira muslim ya rafira aka kiti sa menge na tarana nta mo die ko ni re wule fa la fe mo die ko ma ni re pouvoir confisquer mo die ko ma ni re na signe royal e foule bloquer fe mo die ko ma yo parce que t'es mon dans la sable de nos souris parce que tu es là nous a présenté fait alpha na bloqué donc on la mo on alpha qui on la mo na son ti birabe na kan na wa ibira fora o to mabira fora na kon kamam na ho alpha bara ma se buta be a di victoire na déranger donc mo continuer mané ka victoire ni nan na fama mi kama se ti o be wona na kon ko me ki non ni nara kalati ala na kati tan na kan duna na kuise da ni riyo na alfa soutenu fa la riba soutenu la rire yerbi iste wo framasonerin nu illuminati na ka utiliser fe soma wali dure wali nyinne serake karamo ko wali serake model yu model wona na ka utiliser fe wo ka la gine ya isu wo ka meke ka le so wo ka muslim ya mabire wo ko mudo ko no kwa kui wo ka bende ko mbuma won samati la gine gine ka fini migira na kan ne jerabe ki c'est à dire ne nyerma Il y a un moment à expliquer des pires mimes. Allo, mystère, il y a une manière de gagner. Il y a une manière de gagner. Et il est bien, ma canne. Et la moins chère, bien, on la guinée, guinée, ma. Alors, on va voir. Il y a un kafri. Il y a un islam, il y a un. Il y a un ala, il y a un. Il y a un autre, il y a un. L'islam, il y a un. Il y a un autre, il y a un. Il y a un autre, il y a un. Il y a un autre, surtout en plus, il y a un. Bah, on est balé, c'est un guinée, un métier, n'a. Les femmes de mon abame, qu'on ne les femmes, nous voulons monter. Voulez qu'il y ait un final à Ramelida. Voulez qu'il y ait un ethnie féné. Voulez qu'il y ait un fanny manoro. N'tam moudir à la raquitis à Wotam Muntantagi.